Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous êtes à la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Vous en êtes en Mingi, vous êtes à Nabino. Entretien, il y a les lots, il y a Mbipo Nabino. Le parti n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais a sala muki. La muka a sala kaba réflexion, il y a bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance, il y a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Lamouka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Abemoli Kazan à Lamouka, est-ce qu'Azan est ensemble, est-ce qu'Azan est union sacrée? Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Oaza Mato Koyoka, Ayoka. Bonjour à tous, merci de rester toujours connectés sur votre chaîne, la première chaîne YouTube à travers le monde, la chaîne de l'excellence télé Tchango. Nous sommes ensemble à partir de Kinshasa, to solola ma solo ya mboka na mwana mboka prince et pengue wazali président ya ADD Congo. Pe communicant moko ya ba communicant ya la muka na ye penza to kolobela sommet to pe tripartite ya Luanda utiko salama lobilo leki entre président Félix Tshisekedi, Paul Kagame pe Lorenzo sur makambo ze koleka na Est République démocratique du Congo to ko décortiquer ango penza. Est-ce que ezali réussite topé échec ya diplomatie congolaise nde to kosola ngona mona mboka prince epengé to kolobela pe lisusu meeting to yoki mona mboka Martin Fayulu ako pesa na mboka Kisangani penda na tina nini ezali na cadre nini pe quel sera le message oyo mona mboka Martin Fayulu ako mema na bana ya boyoma et puis to kosukisa na solution nini oyo il faut ezwama pona makambo o etali est ya mboka na biso akopesa biso ba proposition oyo la muka topé ADD Congo ezali nango pour que to mettre fin na insécurité oyo ezali na partie est ya mboka na biso. Rester connecté mona mboka prince pengé mboté mboté maman. Tu as bien lu sur émission na biso actualité ezali dominé na situation sécuritaire na est ya mboka na biso tripartite au tuko salama na Luanda. D'entrée de jeu, comment au juger tenu ya tripartite wana na ba résolution e bimina kati pona ngai elengomba na ngai ya politique ADD Congo, c'est un sommet de trop. C'est un marché des dupes. Ce raconte wana ya Luanda na Angola entre M. Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ils ont l'expression ya humiliation publique ya Congo. C'est de la capitulation. Et d'avance, Bissot, na ADD Congo, na kati ya coalition la Muka, to rejeté ma résolution yo ananios. Pour nous, ça n'engage pas le Congo. Madame, ma yekoufe lamboa obé mopayanda melakayango. Félix Azali mopayate, namboka oyo. Félix Tobundina ye entre guillemets, même ceux qui très souvent à la kina poto, to ye bina ye mode opératoire ya Paul Kagame. Le modus operandi ya Paul Kagame, nous le connaissons. Depuis presque 3 décennies maintenant, Paul Kagame joue le même jeu. Toujours à Koya, à Zundamba Mabele à Congo, sous couvert, il y a un groupe armé quelconque, et puis après, tout négocier. À Koya, à Zundamba Mabele à Congo, soit dans le Nord Kivu, soit dans le Sud Kivu, soit dans l'Ituri, soit dans la province orientale, sous la dénomination, il y a
RCD, KML, RCDN et autres, CNDP, M23, Koundavantoire, Moutebousse et les autres. Et puis après, il dit, tout négocier. Yo, kouki koya te ozui, kimba mbananga téléphone ou boyo, ozunga ou na ma casse, na 9h, et puis na 12h, lobi nangayi, tout négocier. Négocier quoi? Mon téléphone? Non. Donc, il y a initiative, il y a RDCT, il y a initiative, il y a Union africaine. L'Union africaine a une responsabilité à protéger l'intégrité de la territoire congolais. Le président de l'Union africaine est le président de RDCT. À ce que je sache, RDC est supposé avoir un président, est supposé avoir une armée. Dès le jour où tu accèdes à la souveraineté internationale, tel que le monde et ses compagnons va souhaiter. Donc, à ce sens, quand on accède à la souveraineté internationale, le premier sujet à droit international public, on se dote d'une armée. Comme sujet de droit, c'est pourquoi Balobaka était la violence légitime, pas symbolique, la violence légitime est allée attribuer unique à l'État. Comment Félix peut faire des choses comme s'il n'a jamais été Congolais, il n'a jamais habité dans ce pays, ou il n'a jamais étudié l'histoire du Congo, surtout de la sous-région. Et la géopolitique, et la géostratégique, et la histoire militaire, il y a Mabélé Nabisso. D'ailleurs, il faut qu'on fasse très attention. Tant que l'Ukraine est allée agresser, l'Ukraine est agressée. Mais quand le Congo est agressé, on dit la partie est du Congo est agressée. Pourquoi on parle de la partie est du Congo? D'ailleurs, remarquez même un accord signé à Nairobi. On parle de l'accord de la paix et de la sécurité si la partie est de la RDC et la région de l'Est. C'est-à-dire que c'est comme si la partie est de la RDC ne fait pas partie du Congo. C'est comme si Équateur, Bandundu, Bas-Congo, Katanga, Kinshasa. Non, c'est pas, ça n'intéresse pas le chef d'État africain, on a les sept qui ont signé l'accord de Nairobi. Partie est du Congo. Donc, c'est comme si partie est du Congo, na mitu ya batuana ne fait pas partie du Congo. Parce que peba ko lukiana la partie wana na pays wana ya est ya nini. Les Congolais ont fait pas très attention aux mots, aux vocables, mais le diable se loge dans les détails. J'ai continué en disant que ce qui est étonnant, c'est que Félix ait aspiré à diriger ce pays. D'ailleurs, Félix a le bac un jour. Un jour, il avait dit que non, il préférait soutenir Katumbi parce que lui ne se sentait pas capable de diriger le Congo. Il avait dit, avant que nous même la Genval. Il avait dit. Félix avait dit que non, lui, ce n'est pas vraiment sa priorité de diriger le Congo. Lui, il préférait même Katumbi. Il avait dit, avant que nous même la Genève. C'est-à-dire que quelque part, moi, je ne comprends pas. Les gens qui ont été en train de faire des choses, ils ont été en train. Alors que c'est le moment que je dois mettre à profit pour que je sois au Congo. Je n'ai pas du principe que pour aimer quelque chose, il faut que je sois au Congo. Pour défendre le Congo, il faut connaître et aimer le Congo. Mais pour aimer le Congo, il faut défendre le Congo. Tu ne peux pas défendre quelque chose que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas aimer quelque chose que que tu ne connais pas non plus. Mais dès qu'on prend ces pingues-là, feuille de route, on est lobby que bah, obtenir cesser le feu, position M23 et l'ongwa, nambo kanabiso zonga ngezala qui avant qu'on soit Bunagana, et puis que bah, exploitation illicite et bah, ressources nabiso ça m'a soulevé. Et ça, quand même, selon le VPM et Affaires étrangères, Nalandi, victoire au RDC Zui devant Rwanda. Mama, kulanda VPM ya Lutundula te, kulutunanga ya zako prepare retraite na ye. Lutundula au fond, Lutundula en contradiction avec Félix Tshisekedi. Lutundula était même contre la négociation ya Nairobi. Lutundula avait dit clairement, je vous renvoie na ba tweet ya confrère na Stanley Bujakira. Lutundula s'est posé des questions de savoir pourquoi nous oblige à négocier avec les mêmes. Le président Élie Martin Fayulu l'avait dit à son temps. Pour les Nations Unies, il y a un Congo à dialoguer avec les groupes armés. Mais pourquoi les Nations Unies n'ont jamais obligation à Rwanda à dialoguer avec FDLR, Ouganda à dialoguer avec
ADF. Comme ça, chacun ses problèmes. Comme ça qu'on fout un peu la paix. Tenez, je disais que la méconnaissance, il y a jeu et en jeu dans les chefs de feu Tshisekedi m'étonne. L'opposition des 37 élites a servi quoi aux enfants, certains enfants de l'UDPS? Comment on peut venir de l'UDPS arriver au pouvoir, bien sûr par la fraude, mais tomber mains et pieds liés dans le piège à Kagame? Nous savons comment Kagame opère. Bakéi, le 24 mars 2022, na sommet ya Jordanie. Et pas barabe kuna. Félix Tshisekedi et Paul Kagame bakutana na Jordanie, na Amman, ba lié ensemble, ba meli vignon, ba meli mo champagne ensemble. 4 semaines après sommet à Jordanie, bakutana ki ba mi balé. Kagame a agressé le Congo. 4 semaines à peine. Quand Kagame agresse le Congo, les militaires congolais ont lobby clairement que c'est l'agression. Le gouvernement congolais a navigué à contre-courant de la déclaration de l'armée. À l'occasion, 2 militaires rwandais ont été capturés. Kagame met la pression sur le président angolais appelle M. Félix Tshilombo et dit ultimatum, tu dois libérer les 2 militaires rwandais qui ont pourtant tué chez nous. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne comprenons pas comment ces 2 militaires rwandais ont été libérés et rapatriés au Rwanda. Sans aucune forme de réparation. À cette période-là, Félix ne voulait pas que le bata ait un mot sur l'agression. On n'appelait pas un 23 groupe terroriste. Alors que Bissona, Mokonzambouka, Martin Fayulu, nous étions en train d'insister qu'ils allaient. Un 23, ils allaient une branche, il y a armée rwandaise. Ils allaient agresser, il faut le dire. Personne n'a voulu nous écouter. Garçon, oh, Patrick Mouya, il y a lobby. Non, et porte-parole, il y a le maire, il y a Salima Bey. D'ailleurs, tout le monde, c'est un qui va m'aider, il va permettre qui est. Il y a un qui tue dans la hiérarchie. Et pourtant, c'est l'armée, les militaires ne vont pas essuyer, les balles et les rwandais. Ce sont eux qui voient la réalité. Qui voient la réalité. Après sommet à Jordanie, après attaque, il y a un 23 ans, paix libération militaire rwandais, pression l'équipe à la population Mingi. Félix a ok na Kenya, une invitation à parrain naye, Museveni, Kagame, Kenyatta, ya Tanzanie, ya Burundi, ya Daishimie, na ya Soudan. Ba komi kuna Nairobi, un autre sommet, cet pays, ya Est. Au nom des Zaboye, tout ça qu'on déployait par militaire, il y a 7 pays dans l'Est. Des Zaboye, M23, il faut se retirer. Mais il se retire pour aller où? Au nom M23, il se retire, mais il y a un Congo. Le diable réside dans les détails, madame. Regardez un élément. Quand Félix est rentré dans le deuxième sommet à Nairobi, le gouvernement a dit qu'il changement de loi. Le M23 est un groupe terroriste. M23, ils ont des éléments de l'armée rwandaise. Ça veut dire que le M23 est outil dans Rwanda. Comment est-ce qu'au Nairobi, au lobby que M23 est longwa, est longwa na Bunagana? Mais ce qui est longwa, est longwa na Bunagana, c'est qu'il faut mener tête à Congolais. Donc ils doivent rentrer d'où ils sont venus, bah outil dans Rwanda. Maintenant, on dit que M23 a longwa na position à Zanangwana. Et pas le suite. C'est-à-dire que M23 a été en Congo, mais à Longwana, ici, Kazawana. En d'autres termes, on reconnaît implicitement que M23 est un groupe armé congolais. Alors que l'armée congolaise s'est arrachée la peau pour démontrer que M23 est un congolais. Et puis, c'est un peu un mouvement armé congolais, les alliés rwandais, composé par des Rwandais, pour piller les chefs du Congo. Donc, Félix a reconnu indirectement que M23 est comme un groupe armé congolais. Donc, a nationalisé Bango. Les gens, beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Assigné à Kowana, à Zongi. Balobi, une des princes, Balobi qui est M23, bah congolais, bah zan Katuana. Peu importe, bah congolais pour saupoudrer. Le monde a dénoncé déjà dans son discours, dans sa lettre qu'il avait écrit à sa femme, au mois d'octobre, fin octobre 1960, que bah corrompre, bah congolais, bah utiliser Bango. Pour ne pas salir les Akili Panda.
C'est la même manière. Félix a été recruté par qui? Félix a été un élément qui a aussi recruté par ces pays de l'Est pour fragiliser le Congo. Ils ont besoin d'un leadership faible à la tête du Congo. Monsieur Rubinski, analyste français, il y a France 24, spécialiste à France 24, il a dit, na occasion, il y a l'ambassadeur, il y a Italie, na Congo, na Est. Oui, pour devenir le président à Kinshasa, il faut avoir la bénédiction du Rwanda. Rappelez-vous, tant que l'Union africaine et l'objet était va suspendre le résultat pour la première fois dans l'histoire de l'Union africaine. Et ça dès que l'Union africaine va s'opposer contre une élection dans un pays d'Afrique. De manière la plus franche, le coup constitutionnel à suspendre la validation du résultat. FCC va dire qu'on dit Mango Lelo. Même Djemou Kendi, à reconnaître Tango. Alobi Kabila Tindaki Delfe Kaimbi. Atindaki Mutuya Anel Oyo Oya Kala. Atindaki Kalev. Atindaki Shokitundu. Bakendo Sakagame. Kouyana Congo tena combo à l'Union africaine. Félix Tshisekedi va préserver les intérêts du Rwanda au Congo. Et c'est comme ça qu'on a dit voilà. Kagame Tika Fayulu Achola Naye, Tika Félix va vous servir. Maman O Luambo Mankiadri Franco de Miamo Aloba. Boya et Makambwezali Minene. Oui, Makambwezali Minene. Et ce que je déplore, c'est qu'en ce moment, les gens sont dans la distraction. Vous êtes sur le plateau, quelqu'un vient me poser la question sur la Mouka. Alors que dans la Mouka, tout va bien. Nous préparons les élections. Alors, quelqu'un vient me poser la question sur ma santé. Non, ma santé, Prince Pengé, Mouka Yamboloko, Yagapo Nanzalate, Naza bien. Tu n'as pas à me poser la question. Poser la question sur le Congo. Mon pays, comme le Mumba l'avait dit, mort ou vivant, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est la patrie. Parce que Penga a des enfants auxquels il veut léguer la portion de cette terre. Mais ceux qui ont commis terre rwandaise, je lègue quoi à mes enfants? Partout, j'ai au monde, que nous vont dans les États-Unis, les Américains vont me dire que tu as une terre. Donc, nous allons dans la France et les Français vont me dire, monsieur, rentre d'où tu viens. Mais, donc, ici, ma madame, s'il vous plaît, n'a pas de soucis. Après le deuxième sommet à Kenya, nous voici dans le troisième sommet à Nairobi. Pourquoi faire? Pour négocier quoi? La Luanda. Après le sommet à Jordanie, sommet à Nairobi, à Kenya, sommet à Luanda, en Angola. C'est un sommet de trop. C'est pourquoi je l'ai dit sommet de trop. Pour faire quoi? Négocier quoi? Avant que la Rwanda, RFI et Lobby, ils vont parler notamment des accords entre les deux pays qui ont été suspendus. En bon, donc en réalité, ce sommet, on est pour un accord na Bango. Ils arrivent là-bas, et on nous dit que voilà, Bayokani a la commission en place, et puis Bayokani a réfugié congolais au bazar na Rwanda, Bazonga Congo. Or, donc, sommet on a un 23 et qui na Congo pour revendiquer les réfugiés congolais na Rwanda, Bazonga na Congo. Tu vois là où je dis que Félix est. Mais comment il pense qu'il va tromper les gens aussi facilement? Je dis que c'est à cette émission ce matin, maman. Tous les Congolais ont compris le téléphone, Félix est un traître. En réalité, Kagame sort vainqueur. Kagame sort avec un trophée à sommet. Comment ça? Vous ne croyez pas à la résolution faite de route au Bazui? Il y a cessé le feu, il y a M23 Bazou à la position de la Rwanda Kala. Mais Yves Sangaye, entre sommet, on va tout ça à Nairobi, Makambo Balobaki, na sommet au Bassin Angola, différentes ces années. Na Nairobi Balobaki, non, cessé le feu. Na Nairobi Balobaki, na M23, allons na l'occupation à Bounaga, na Akende, na Tetom, sous le Congo. Mais ça fait déjà un mois au Bazui, sur les résolution à Nairobi. Est-ce qu'il y a eu ceci le fait? Ce matin même, la société civile, il y a un nom qui va l'obéir. Abi, la guerre continue. Les Congolais continuent de fuir. Les enfants continuent de mourir. Félix a dit qu'il y a une négociation. Kagame a conquis la terre des partis de Lumumba par la force. Ce n'est pas par la négociation. Kagame a conquis Bounagana par la négociation. Les Congo et les Congolais doivent reconquérir
la terre Bounagana aussi par la force. Négociation après. Mais vous le dites souvent aussi que FRDC n'est plus infiltré. Comment, par, avec quelle armée maintenant justement? Une partie de l'armée est infiltrée, ce n'est pas toute l'armée. Bana équateur, il y a solo, bana armée, voilà. Bande Konan va t'aider à sol Bazali, bana Kassa, il y a solo Bayali, bana bande du Bas Congo, il y a Katanga, il y a solo Bayali. Ce sont des rwandophones qui ont infiltré l'armée. Après 3 ans et demi, il y a gouvernance tantonnante. Est-ce que Félix n'a pas su, n'a pas pu déceler qui sont les infiltrés, qui ne sont pas? On dit que Félix est l'homme le plus informé du Congo. Si vous me dites que jusque-là, il n'arrive pas à démêler les choux de la chèvre, c'est qu'il ne maîtrise rien. En fait, le dernier homme, l'homme le moins informé au Congo, c'est Félix Tshisekedi. Mais on dit que ce n'est pas facile hein, de y avoir exfiltré Batou. Il y a des gens qui ont Congo, ils ont besoin d'un Boutou. Parce que c'est un gars. Bon, il y a des gens qui ont le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ne contrôlent rien. Je ne comprends pas pourquoi tant que Mandolo Bayet, je ne suis au courant. Je ne suis pas au courant, je ne suis pas au courant. C'est grave. C'est pourquoi il y a des signes tellement simples à comprendre que Félix n'a pas été préparé à la tâche. Et il ne laissera jamais. La question, ce n'est pas infiltration à la même moment. Armée rwandaise a moins de 20 000 hommes. Il y a moins de 20 000 hommes effectifs. On parle même de 16 000 militaires. Nous, nous sommes police et armée mélangée, nous sommes à plus de 150 000. Comment vous faites des choses comme si ce pays a commencé à exister avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir? Vous pensez n'est pas comme Mobutu Akenda, cause Bembe à Biarimana, à Rwanda, puis à Yéna, à Congo? VPM, il y a affaire étrangère, vient de le dire que si Koyo armée n'a pas besoin de sa position, il y a faiblesse, Bazaki qui se bénéficie de la formation, donc Batikala qui va comment qui statue quoi, Bazaki vraiment la position, mon gros que Batikala qui va pouvoir comment très faible. VPM, il y a affaire étrangère aurait mieux fait de se taire. Ou alors, Fakaïb Sabiso, pendant 3 ans et demi, Oyo Bassa n'a pouvoir à Natulombo, qu'est-ce qu'ils ont fait? La question, ce n'est pas de nous renvoyer à l'histoire. Est-ce que vous avez dit que sous Kabila M23 est Silaki? Comment M23 s'est récité? Nous sommes à Félix Tshisekedi. C'est Félix qui a permis à M23 de résister à nouveau. Kagame Malobi a eu le recouvrement forcé à Banyongonaye. Il y a la promesse de Félix après ça. Il y a eu la facture à Snell, au Futakate. Le Snell a eu le recouvrement forcé à déterrer la tioterie. Kagame a dit que Félix m'a donné des garanties. Quand? Quand il est allé demander son pouvoir à Kagame, il a dit que je vais servir les Rwandais. Maintenant, la question que disons-nous des vérités. Résolution, mon tes amis, c'est de la trahison. Habité voisin, union sacrée à Kolamba Kuna, à Tsepsomi Linga, j'arrive plus à respirer, madame. Désolé, hein? Je blague pas. J'ai du mal à respirer là. Mais regardez. Nangola balobini bache commission. Maman, un homme politique israélien, un juif dont j'ai oublié le nom, je vais me rappeler, avait dit ceci. Si vous voulez étouffer une affaire, vous créez la commission. Oh, libnangna bomalibala. Ah, bobocha commission pour la bomalibala. Libala négocie à 20 ans, babomi en côté. Ce que l'on a tout fait une affaire, donne-en des commissions. À ce propos, tant que je suis en train de me faire un territoire, tant que je suis en président Eli a mobilisé la population, le docteur Mkouk a mobilisé la population, tout ça, il va marcher. Félix Salobio, il n'était pas au courant que Roubaix Rakenda Ikuna. Il n'était pas au courant qu'il y a un aventurier d'ambassadeur américain, Amer, au Babenganiya d'ailleurs. C'est lui qui a vendu du vin. Amer a vendu du vin, Félix, tu sais qu'il dit? Là, maintenant, visiter des cimetières aux États-Unis. Le loup a battu dans le Sahel. Amen, à quel aminé, Félix Abi, il n'était pas au courant. Quand il arrive là-bas à Goma, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, j'ai créé une commission pour l'aminé. Maman, il y a mon pensée sango. Parlons objectivement. Parce que le bon est né. Où en sommes-nous avec la commission Félix Akayaga si l'aminé? Où en sommes-nous avec les Kambouya Minembe quoi commune? Minembe reste toujours une commune rwandophone au Congo. Est-ce que vous le savez? Mais Félix sait très bien. Ndenga le bagna Vital Kamere. Abi Massa Kamere, Kope Simbi. La quinoa Bakobosa, donc les Congolais oublient vite. Les 67 millions Bakobosa dans la caméra, Abi, ah, maintenant, prochain épisode des années. C'est exactement comme ça.
Félix compte sur l'ignorance des Congolais. Ils savent qu'ils vont oublier. Et ils comptent sur les inconditionnels qui les soutiennent dans la Mabé comme dans Malamo. Mais ils vont comprendre que Félix est un humain, il passera. Même s'il faisait 50 ans au pouvoir, il passera. Mais on aura perdu un pays. Et Balobi va tirer commission. Pour la commission, et les deux parties, il y a qu'on négocie. Qu'on négocie quoi? Normalement, Félix aurait... La faisabilité, il y a Makambo, il y a cessé le feu. Où est-ce que Kagame a étudié la faisabilité de l'occupation de Bunagana? Kagame ne s'est pas posé les questions si la commission... Kagame n'a pas mis une commission pour occuper Bunagana. Et cette commission-là n'était pas avec les Congolais. C'était les Rwandais qui ont dit, pour survivre, nous avons besoin de terres congolaises. Et ils les feront, croyez-moi. Même si Fayulu arrive au pouvoir demain, les Rwandais vont tenter de le faire. Sauf que la différence, c'est qu'ils vont hésiter. Ils vont dire qu'il y a un chef légitime, un citoyen du monde qui a la tête ouverte, quelqu'un qui a cette capacité de compréhension, d'appréhension, d'anticipation. D'ailleurs, nous, avec Fayulu, nous n'avons pas proposé que Totia ait une police ou une unité spéciale des civils des frontières. Parce qu'aujourd'hui, même si vous construisez 1 000 de 5 000 kilomètres, Kagame a explosé. On n'a pas mettre des 1 000 entre nous et les Rwandais. La question, ce n'est pas de construire un mur. Parce que même à table, tu es un mur, il y a 100 mètres à hauteur, Kagame va casser le mur. Parce qu'il ne respecte pas ce qui soit à l'intérieur du mur. C'est-à-dire que Kagame ne respecte pas Félix. Il sait que Félix a commis la grâce à Bango. Il n'a pas mérité. Kagame ne respecte pas les Congolais. Il sait que la classe politique congolaise est légère. Des gens qu'on peut acheter avec 100 000 dollars. Des gens qu'on peut prendre et amener au Rwanda. Et qu'on tient Bango, Mandouk, dans ma poche, et pas amener Bango au Congo. Kagame n'a aucun respect pour les Congolais. Donc, de ce côté-là, je dis que aucune résolution sérieuse n'a été prise. Ils sont partis là-bas pour trois choses. Première des choses, que Félix reconnaisse à nouveau que M23 est un mouvement rebelle congolais. À contradiction avec l'armée qui dit que c'est un mouvement terroriste et le gouvernement. Félix vient de reconnaître à nouveau. Après, Kenya a dit qu'on reconnaît que M23 est un mouvement rebelle congolais. Deuxièmement, que Félix reconnaisse que les M23 peuvent quitter Bunagana, mais rester au Congo. Ils ont reconnu. Et deuxièmement, quelqu'un voulait que les anciens M23, dans le Rwanda, ou les anciens M23 randophones, bazonga na Congo. Il y a un monde qui a signé une résolution, babi. Il faut pas discuter si les retours des réfugiés congolais. Donc, quelqu'un aurait combattu tout ce temps ici pour les réfugiés congolais, bazonga na Congo. C'était ça sa revendication. Ils ont revendiqué ça M23. Là, je peux vous dire que c'est, on a atteint les fonds et nous allons faire tout pour que l'on remonte, sans Félix. Ce qu'il devrait faire Félix Tshisekedi, ce qui n'engayo lobi ou anasaliza mabé, mais qu'est-ce qu'il devrait faire justement pour à mettre fin à la situation? Confesser. Félix doit confesser. Koyeb savait exactement ni n'alaka ki n'akaga mais pour n'aya comment mukonsi. Pour Kabila nommé, Kabila n'est pas nommé gratuitement. C'est pourquoi nous avons besoin de Kabila est toujours avec Félix. Combien de fois on va vous le répéter? L'ami de mon ami est mon ami. Kabila avait dépêché une délégation au Rwanda comme on a Kagame pour Nagoloba. Les intérêts du Rwanda seront observés, protégés par Félix Tshisekedi. Qu'il confesse. Aloba, voilà, bah, Congolais, c'est vrai, Ngaï n'a pas besoin de garantir Kagame, mais maintenant je ne suis pas impossible. Je me raconte que Zaki est réel. À ce moment-là, nous allons voir. Pour l'instant, Félix n'a plus rien de cartouche. Il a tout essayé. Tant qu'on a eu, à l'objet, moi, c'est la diplomatie. À voyager le monde entier. Le Kagame est le président qui l'a raconté le plus de tous les présidents qu'il a raconté au monde. Ils ont signé tous d'accord. Même avec l'armée, génie armée rwandaise, il y a un village, je crois, 26 000 ou 2 600 villages, dans Minembo, et plutôt dans Okivu. Tout, il a signé. Après, on a montré que la diplomatie ne tient pas à Yokoya, l'état de siège. L'état de siège a lamentablement échoué. Il dit encore, c'est la diplomatie. Non, on ne peut pas faire les choses de la même manière. À quoi, selon vous, a servi cette diplomatie quand, à l'ONU, Boïk a levé un embargo aux armes? Mais on vous dit qu'il n'a jamais été diplomate, il ne sera jamais. Il n'y a pas de générateur spontané, maman.
Tu sais, moi, je préfère que ami o aya kana classe atako akima classe elmo ko mumwe o aya kana classe ke oyo aya kana classe te parce que o aya kana classe ataso ki professeur tant que si makambo zomi ayo kanga ta moko. Je préfère encore quelqu'un qui va à l'église ata une fois par semaine mais o aya kenda ke o aya kenda l'église ata mukolo mote po ata za mtu amasumu mais ata likambo moko boya ko kanisa chapitre moko pasteur apesa ki abino likambo na ko salate le problème de Félix Tshisekedi c'est que j'ai l'impression que il n'a rien compris dans tout ce qui se passe là. C'est-à-dire que bah, concerné, on lui dit, il y a tous les canaux Luanda, bah, il ne peut pas. En fait, au moment où on a dit, tu as bien sommé. C'est comme si on donne plus d'importance à l'habillement, à la sommet, que à ceux qui vont dire dans le sommet. Nous l'avions dit, qu'on est en train de légitimer Kagame dans différentes rencontres. Tout ça, on a légitimé la revendication. Au lieu maintenant là que le peuple est galvanisé derrière son armée, comme nous l'avions dit au sein de mon parti Action pour la démocratie et le développement congolais des Congo et au sein de la Mouka, que nous ne voyons pas un militaire burundais, un militaire tanzanien, un militaire rwandais, un militaire ougandais, à converser Makila Naye Awa pour l'intégrité du Congo. Seul moi, il y a Bujima, il y a Kananga, moi, il y a Mbandaka, moi, il y a Lodja, moi, il y a Katokombe, il y a Pueto, il y a. Ya kwilu to ya matadi oyo ya utuwele nde akotangisa makila na ye pwete integrite ya Congo ezala intact pwete bana Congo baza protéger. Donc dès ce moment là nous devons investir tous nos efforts si l'armée congolaise ou ce qu'il reste encore armées infiltrées, nous sommes totalement d'accord d'ailleurs, nous l'avions dit avec Félix Tshisekedi ensemble à cause de notre pouvoir. Pendant 3 ans, il fallait savoir qu'est-ce qu'il a fait pour l'armée infiltrée. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de nous chanter armée infiltrée, qu'est-ce qu'il a fait? 3 ans, maman. Et ça mouquette. 3 ans, ça mouquette. J'ai ma fille déjà une année, mais la Monique est. C'est devenu une femme. Mais 3 ans et demi, moi, à 3 ans et demi, à combien âge? Moi, à combien de monde en dernier? Moutou, m'da donc à combien de ça, ma camoulou. Donc, pour vous dire. Que 3 ans, ils allaient beaucoup pour amorcer. Le problème, c'est que si Félix a quelque chose à faire, soit il confesse, alors à ce moment-là, il a le courage, ou soit il démissionne. Il y en a qui ont dit que l'âge n'arrive plus. Et il dit, Kagame ne le lâchera pas. Kagame a dit qu'il a été, il a dit qu'il a été. Kagame a dit qu'il a été. Alors, Prince Epenge, je rappelle que Azali président, il y a ADD Congo, puis moi, quoi, l'obéli, il y a Lamouka, avant tout l'obéli, la meeting, il y a moi, un boka, Martin Fayulu, na Kisangani, tout l'obéli, relique, il y a moi, un boka, Lumumba, Yotikoyawa, héros national, Azali enterré dignement maintenant par le gouvernement. Comment yo juger des marches wana et salamiti jusqu'à l'enterrement même il y a Mwamboka Lumumba notre héros national. Matodo Boton dit maman, je crois que Kamboya Kondo Lumumba c'est une bonne chose que reste en zotonaye ezonga na Congo. C'est toi libre bantu et si kanyo bakunda papa, si bakunda maman. Même un gars est allé à Boye, puis au Tenangé Zagata, on a zongé dans le village, on a l'Odja, et ce que Bakunda papa n'a pas eu, et c'est que nous avons eu à genoux, mon quater, et ce que Bakunda Koko n'a pas eu un pengé, dès que nous avons eu un l'Odja, puis au Tenangé, et dans le village natal, et ce que Bakunda Koko n'a pas eu, et papa n'a pas eu à Bikulatere. C'est ça. Et l'homme, Bantu, nous sommes attachés à nos valeurs. Chrétiens nous sommes, mais nos valeurs font partie de nous-mêmes, nos traditions. Nous autres, nous avons besoin de la Kanisi à Malam. Mobutu méchant ou bon, nous autres, nous avons Sengeli et Zonga. Le bana à Congo Bans, au Bakendaga en exil, au Bakoufi, c'est Sengeli Kolongo la Banque, Zong Sabango, Bazonga peut aller ma belle na Bango. Seulement, la Kanisi est Lumumba et à l'île noté. On ne peut pas résumer Lumumba na Lino. Lumumba a commandé des valeurs, un ensemble de valeurs. Lumumba a commandé un ensemble d'idées.
oui c'est que tout tangi sabah en abisso toye ba yango nanu parce que ba tangi sakelo kobe yo ebi et puis au transmettre ango toye ba nanu Lumumba combat ya Lumumba Lumumba comme esprit Lumumba comme ba valeur comme ba idée toye ba combat na ye mais kaka ya yete d'ailleurs na regeta kilo lenge na moni na Belgique kuna bana ampolo ba kete bana équipe tout ba kete Lumumba n'était pas un homme seul. L'on ne saurait atteindre la dimension de Lumumba tout en état seul. Non. Je suis sûr que Lumumba aurait été vivant, il n'aurait jamais accepté que Bana Iba qui est en Belgique, sans Bana Apollo, soit Bana Okito, jamais. Pour devenir grand. Non, c'est Montesquieu, je crois, qui disait. On devient grand avec les autres. Donc Lumumba, comment est-ce qu'il y a un bâton? Et d'ailleurs, le dessin a fait que Ake même maintenant mi balé parmi Bango. Il faut tout y balumba. J'aurais souhaité que le gouvernement investissant bah, moyen mingi pour nabana na biso de l'école primaire bah, y balumba. Les jeunes français balubaka besoin de l'identification est une pente naturelle. Quand tu t'identifies à Beyoncé, Français, parce que vous avez façonné l'image de la base de quoi de Gaulle. Vous pas se discipliner le coulaïe, vous n'avez pas le coulaïe. Le lot, pour tout inspirer, vous n'avez pas comme le coulaïe. Il faut bailler banane le Mumba. Parce que c'est ça le besoin de l'identification. Société congolaise est en crise des valeurs. Moni ba no balinga ndo linga papa wemba, comme que coula to quoi papa wemba. Toi, on a crise des valeurs et crise des modèles. On a très peu de modèles. Le loup a te belé, Simon Kimbango, en 1921. Simon Kimbango. Mais il y a un gars qui s'est comporté avec Simon Kimbango, alors que Baye Biété. Entre temps, Ban a payé à Batouana, ils n'ont pas. Enfin, c'est même pas le rôle de Ban à Batouana. Même ceux qui ont Ban à Moussou, ils trahi combat papa na Bango. Le loup a trahi combat papa na. Le loup a Parce que l'Église Kimbangui s'est soutenu à un dictateur. Alors que Simon Kimbango a été du côté du peuple. Voyez-vous? L'Église Kimbangui s'est toujours dans le gambo et a battu avec le peuple. Alors, mais moi je pense que c'est le rôle de l'État de faire connaître les combats nobles de Simon Kimbango. Les combats nobles de Lumumba. Les hauts faits à Batouana. Yo, comment on a le Lumumbiste et Maïbi Franga l'État? Lumumbiste. Oh, je suis Lumumbiste, je suis parti Lumumbiste. Ce que Kizenga a fait en 2006, c'était une trahison. Entre Kabila et Bemba, Kizenga avait choisi Kabila. Ce que Kizenga a dit à Kabila, c'est Kabila Ngale Kate. Mais Kizenga se disait Lumumbiste. Lumumbiste, c'est un nationaliste avant tout. Mais comment c'est un nationaliste va soutenir Kabila, donc on ne sait même pas d'où il vient. Alors que Bemba qui était là, un enfant du pays, même ceux qui l'ont aussi a choisi, il peut l'IPA. A comment pour l'IPA, Atiki Benzela naye. Eh, Atiki Bemba, Bemba Kweyi. Mais c'est disait le Lumumbiste. Non, le Lumumbiste est un patriote. Le Lumumbiste mourait pour laisser les Mituka. Le Mumba Boyera 5 millions, au bas belge, il a corrompu en 1960. 5 millions, Colette Brackman a sa témoignage, il a été 5 millions, il a corrompu le Mumba à l'époque, en 1960. Il va corrompre 5 millions, maman. Mais le Mumba n'a pas son mandat, c'est ça, na 5 millions de dollars. Wana. Est-ce que tu connais beaucoup de Lumumbistes Lelo ou à quoi refuser 100 000 dollars? Bah, comme il va ministre, ils ont volé des Lumumbistes. Bah, comme il va député, ils ont volé, mais des Lumumbistes. Bah, comme il va bourgmestre, ils ont volé, mais des Lumumbistes. Bah, comme il président public, il y a un Lumumbiste qui vole. Un premier ministre, un Lumumbiste qui vole. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le Mumba. On ne connaît pas le Mumba. Donc, il faut enseigner Lumumba. Lumumba était élu député national et avait la majorité au Parlement. Lumumba aurait pu dire qu'il y en a comme président de la République. Ce serait pour les raisons d'honneur. Mais Lumumba a dit, bon, même ceux qui sont dans le régime parlementaire, Lumumba a dit, « Ngai na kosa premier ministre. » C'est-à-dire que sans c'est un compromis. Wana. Sans c'est un compromis, quand vous êtes président, vous êtes premier ministre. Donc, Lumumba a accueilli na Ghana.
akai comme on en a gagné kuna lolenge ba gagné ba vivre en harmonie na ba mindele mumba rentre il dit je me mets la vidéo ici il parle vous savez c'est cet homme avait beaucoup d'avance sur son temps mumba c'est un génie comme toujours les génies sont toujours incompris na tana bango il faut temps il faut histoire ndia ko réhabiliter mais polémique ezaki qui autour ya linwana linwango ba bi est-ce que ça vraiment ya lumumba topé ya lumumba té parce que il y a des vidéos où ezo la sa moto à zora linwa lumumba lo ba ki après pression mon quoi subi ça ka kenda ko bo ka ngona mai je vais pas faire ce débat de débat balabala wana parce que je n'ai aucun moyen de vérifier j'ai fait confiance à ces enfants je crois qu'ils ont expertisé là-dedans. C'est vrai que la drame serait qu'on nous dise même que cette dent-là, ils ont dans le monde battu, qu'ils ont l'île à Moutoua Boumaka, ça va être les combles. Mais dans tous les cas, j'ai fait confiance à ces enfants. Je crois qu'ils ont expertisé. Il y a les moyens. La carbone 14, ils allaient pour nous dater, bilou que les cas cala, bana moyen, belle technologique, badienne, ils allaient, code génétique, ils peuvent voir. Mais moi, je ne vais pas faire contre-sens. D'ailleurs, ce matin, quand on a cessé l'émission Nangaï, on a cessé TV, j'ai vu groupe à Papa Mogo, à Kumbaga. Na banque wana ro banque bayiko mona ah papa penge to linga ko mingi papa penge meto kamwe na mangai zesiko bayaka ko kangalumumba so ke mona bache meme na po ya mangai wana meme inscription mukulu bakangalumumba ta lumumba nga na fin octobre ainga akima kota kasai bakangaka isika iwana me faki ka meme geste mo gisa makuna parce que mangai isika bakabomaki bayine na gisasa bakene na kisangani me na mangai isika bakangeli eta okima okende kasai. Pour nous, c'était un habit. Ah oui, c'est pas de l'histoire, là, on a failli l'oublier. C'est important. Mais je crois que le plus grand regret pour Nangaï, c'est que Lumumba, qui a été parmi les premiers dirigeants légitimes du Congo, voté par le peuple, a été enterré par un président du Congo illégitime. C'est le plus grand regret. J'aurais souhaité que Lumumba soit enterré par celui qui a été élu par le peuple congolais, Martin Fayulu. C'est-à-dire qu'un homme légitime qui en a les tout premiers premiers ministres légitimes du Congo. Un des tout premiers députés légitimes du Congo. Malheureusement, Lumumba, un homme légitime aimé par le peuple est enterré par un homme illégitime que le peuple n'a pas élu. Mais l'histoire se chargera de réparer, à lever cette tâche-là de l'histoire de Lumumba. Donc Lumumba était un grand, mais pas que Lumumba, parce que n'oublions pas que le combat Lumumba est bandit, pas n'a été. Lumumba n'a fait que relayer, transmettre les flambeaux. La génération qui suivait, Lumumba avait hérité les flambeaux de Kasavu, plutôt de Kipavita et de Kimbangu. Donc, toutes ces histoires. Même Tchombe, il faut apprendre Tchombe. Fait partie de notre histoire. Malula qui a contribué efficacement. Donc, tous ces gens-là, quand j'ai dit Tungada, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, d'organiser une conférence pour Alinikin, avec lui Alinikin, et Pierre-Jacques Chaloupapé à leur âme. Tous ces gens-là, il faut tout y babango. Parce qu'on ne peut pas, être dans un pays où j'ai entendu Félix Tshisekedi devant le roi des Belges à Lobi. Nous devons reconsidérer l'histoire du Congo. En français facile, Félix Alobaki devant le roi des Belges à Lobi, nous devons oublier l'histoire du Congo. Ah, Félix! Alors que le monde insiste que nous n'oublions pas l'histoire glorieuse du Congo. Félix Alobitobo, c'est l'histoire du Congo. Alobi, la Belgique, elle est la porte d'entrée du Congo en Europe. Et bongo, pourquoi le monde s'est battu pour que le Congo accède à la souveraineté? C'est au cours de la souveraineté nationale, comme indépendant. C'est-à-dire qu'on a la liberté de traiter France, Angleterre, Belgique, Hollande. Pourquoi la Belgique doit être la porte du Congo? Et il dira même le pire. Il prend la Belgique comme un parrain. Lui, il n'a que des parrains. Il y a Zalo Kola, Akana Babeki, il y a Babeki au Longoli. Au Longoli, il y a Gamme Félix Akoui, au Longoli, Belgique, Félix Akoui. C'est comme ça que partout il passe, il veut faire plaisir à tout le monde. C'est un des plus graves défauts. On a le bas qui l'illégitimité est une maladie hautement contagieuse. Partout où vous êtes, ceux qui osent illégitime, tu auras tendance à faire plaisir à tout le monde. Or, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il a voulu plaire à Kagame, il a voulu plaire à Museveni, il a voulu plaire au Kenyatta, à Ndai Shimie. Et partout où il va, tous les accords, il les signe. Et puis après, on lui demande des comptes. Et il dit, oh non, voilà. Et on va faire ceci, on va faire cela, on m'aime pas, on me bloque. Il faut qu'on soit conséquent. Voilà, Prince Pengue, Tozo Soukisa, Toyoki, moi, Mboka Martin Fayulu, na meeting na Kisangani, Pona Nini, na cadre Nini, et quel sera le message? Nous sommes à 16 mois des élections. Meeting Gohan est un meeting à préparer l'élection. Nous avons 5 provinces à moins de 3 mois. Nous disons que nous sommes prêts pour les élections.
Nauti kozala na ndeko moko odoti na photo moko bo auti na auti kote ya bo makuna ayelinga ba, ba bilili ya batu oyo papa ya 93 ans zatanatana numéro ya Robert Umba azaka agi chauffeur ya ndeko Pierre Jacques Chalupa na Mayombe voilà oma photo ana papa Ndelengo ma Philippe na Mayombe photo yango iwana 93 ans alobia okufate ça ko voté Martin Fayulu Sousou na Mayombe oto na photo lelo na chauffeur ya chalupa Robert Umba akendaye kuna na matanga akuti bato ya Mayombe ache yango na ndako no boni akola ngo na ba bla papa pe kola akola ngo na ba banzete almet na miri na ina ndako ya mabele na Mayombe ofefo ya Mayombe kuna côté ya mwanda kuna na ba Congo 93 ans alobi ya ko voter sous Martin Fayulu abia ya awadoni komona abi na zamba kuna abi papa ya biso pona ko be abina na mona yete na ngai na okufa te il faut na voter sous Fayulu pona linga ki patata yana kuma mokonsi na yokaka kaka me molimo na ngelo bete fa kuma mokonsi moto andengwa na mama babo makayango te Fayulu za moto za siko na moni batu sous baye na ba ena na kombo bangi ba bomango moto esobe mbeziki yo ena na konyi na nini na lindala ngo bomo moto ana okozika yo moko donc c'est un projet c'est qu'on a avec Martin Fayulu est un projet et nous sommes convaincus que lui ne sera pas terminé ce projet mais on commence ce projet avec lui pour le Congo et puis nous autres nous prendrons le flambeau nous voyons le Congo l'avenir du Congo, aujourd'hui et demain. Nous ne sommes pas dans les dialogues, dans la béatification, dans la culte des personnalités, mais nous sommes dans la réalité. Nous souffrons avec cet homme-là. Chaque jour, nous avons une réunion à la carte du Congo pour nous voir qu'est-ce qu'on fait encore davantage demain. Nous avons amélioré le programme en 2018 pour 2023. Nous préparons sérieusement. Donc, nous avons une Kisangani pour nous remobiliser la population. Nous sommes à 16 mois des élections. Quoi qu'il arrive, Félix a sali l'électoral, il y a eu un déconnaillé, il y a eu un coup constitutionnel et tout ça. À Longoli, Kalouba, Abi Kalouba, c'est un homme trop lettré. À Tangamingi, je me suis trompé. À Tché, Kamouleta, un taliban, il y a eu un bombardé de l'élection brite, il y a eu une tricherie. Mais il se trompe. Nous avons trouvé un moyen de les contrer facile. Mais efficace, on vous le dira. Donc, nous allons faire ce travail de fourmi partout. Mais aussi, après les meetings de ce samedi, ces grands meetings dans la troisième ville du pays, le Congrès PSC des Alliés, il y a na Kisangani, et comme nous, et chaque parti politique, ce que c'est le Congrès, invitera le parti Moussous. Il y a une réunion avant-hier, et le professeur Kalilé Badotou, tous les partis alliés, même le Nouvel Élan, ils allaient inviter, parce que nous sommes alliés au sein de la MUCA. Chaque parti au Congrès naie nouvelle là au Congrès naie to kenda adé de Congo au Congrès adé de Congo donc invité pe bato professeur Kalil au Congrès Congrès naie qui invité bato nous sommes dans une famille donc nous répondons également à cette invitation là donc mokolo ya samedi oyo que za benda bika na Kisangani nous disons à Félix Tshisekedi il n'y aura pas de glissement maman nous savons tout ce qu'il est en train de faire to zali mboka ya bana na bana. Parce que bango vacances, il n'y a que eux qui sont capables du pire. Tous ambos à ban à ban, nous nous préparons, nous voulons la paix. Nous vraiment notre peuple souffre. Ce matin encore, on m'a appelé na Tchangou, on m'a appelé na à côté à Mouamba, dit papa Prince Pengé, on ne vit plus. Je dis ah mais bino population, vous ne vivez plus, vous ne vivez plus. Mais pourquoi Kamere sort de la prison? Bobenga na téléphone, don Lingiango te, Félix a trahi le biso, Kamere a vu na prison. Mais quand est-ce que vous sortirez dans la rue pour nous marcher? Quand? Comment pouvez-vous comprendre que Kamere a mis en prison lundi, mercredi, à Zimiko, à l'Obio, moi je vais donner des idées pour un programme à 145 territoires. Vous trouvez ça normal? Je suis comme on a eu famille Jamal et Sombi Memling. Bon, dans mon journal, je suis comme famille Jamal et Sombi Memling. Dépêche, de Komiango. Est-ce que vous vous rendez compte? Oh, on nous dit. Pelève réalité, pelève réalité. Babo, ba maman, bi pour prendre boulot, ba pelève.
y a implication à Kamere. Vous trouvez ça normal? Oh, bah pêcheur à Maluku, bon, le pêcheur vers Oboa, n'angoba au tribunal de justice. Oh, bah na basa kama baya côté à Delvo, kuna basa kama mesa, na bata, kuna boti kana kosa ba mesa, kuna pêcheur. Comme si Kamere a tiré qu'il va pêcheur Venezuela. Donc voyez-vous que comment c'est manque d'un peuple. Mais pourquoi ils font ça? Félix Aloba qui n'a qu'à mener que les peuples congolais oublient vite, ils vont oublier. Dans la caméra, il y a un deuxième épisode. Ma paix, ça y est, 45 territoires à gérer. Donc, on se manque de notre peuple parce que notre peuple les mérite. Les mérite. Bref, mon rôle à moi, Prince Pengue, c'est de continuer à mobiliser le peuple, à les pousser à comprendre que mon colo peuple n'a pas besoin au coma intraitable. Mon colo mérite respect aux politiciens, respect même à pays étrangers. Ndeko Prince Pengue, président ADD Congo, moko ba communicateur à la Muka, Toto Ndio Botondi. Toto Ndio Botondi, maman, nous avons pas mal au pembo, tu n'as pas eu de bain, sur Basile, beaucoup de l'endroit.